Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le rasage traditionnel. Aujourd'hui avec le nouveau partenaire qui est Man's Beer. Donc voilà, j'ai reçu le colis ce matin même. Donc c'est un colis qui m'a envoyé pour pouvoir tester ses produits, vous les présenter aussi en vidéo. Donc dedans, on peut retrouver du coup le gel à raser, donc à base d'aloe vera, d'extrait de fruits et d'amamélis. Donc les fruits, c'est pour l'éclat au teint et l'amamélis favorise la micro-circulation. Donc voilà, c'est un gel transparent. Donc pour ceux qui veulent faire leur contour de barbe ou de moustache, c'est vraiment nickel. Donc on le testera dans la vidéo pour au niveau de la moustache et au niveau de la mouche. Donc on fera juste ici. Et pour le rasage, du coup, on utilisera le savon qui m'a envoyé aussi. Le savon premium. Pareil, aloe vera. Je pas vous dire de bêtises. Alors, aloe vera, huile d'olive et extrait d'amamélis. Donc pareil, c'est un savon, voilà, il est plutôt pas mal. J'en dirai plus à la fin de la vidéo pour ce qui est de la senteur, etc. Et en plus, il m'a envoyé cette magnifique chavette. Donc voilà, donc celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. Il m'a demandé ce que je souhaiterais avoir comme rasoir, si c'était une chavette ou alors un rasoir de sûreté. J'ai préféré prendre une chavette, du coup, j'ai choisi celle-là en bois. Donc le nom, je crois que je l'ai pas ici. Non. Ah, peut-être ici. Vu qu'il m'a envoyé son petit catalogue. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop. La 6, la Old Barber. Ah, c'est ça, la Old Barber. Non, la Woody Bone. Je me suis trompé. Voilà. Elle est juste ici. La Woody Bone. Donc voilà, on a vraiment tous les noms, etc., qui sont écrits ici. Alors voilà, j'ai tout le catalogue avec tous leurs produits. Il y a vraiment pas mal de choix, que ce soit pour la barbe ou pour le rasage. Donc voilà, je vais utiliser du coup le savon pour faire tout le contour de la barbe ici. Et pour le niveau de la moustache, j'utiliserai le gel à raser. Pour la chavette, la lame, ce sera du coup une Parker. Donc on verra peut-être mieux là. Donc voilà, une de mes lames maintenant qui est devenue une de mes lames préférées. Alors, on commence le montage. Chouïa doux quand même. Hop. Donc, j'ai déjà fait un rodage avec le savon là pour justement tester la mousse au niveau de la main. Et franchement, pas mal. Et j'ai dit, voilà, on va attendre la vidéo pour pouvoir faire le rasage. Ce sera encore mieux. Voilà. Franchement top. Oui, un petit peu. Hop. On prépare la lame. Donc, ouverture facile, donc il y a vraiment un petit cran, donc on ne verra peut-être pas dans la vidéo. Voilà, qui permet de passer quand même l'ongle. Par rapport à d'autres chavettes, c'est vraiment pas mal. C'est un point positif. Donc voilà, on prend la lame déjà découpée. On le met à son emplacement initial. On ferme tout ça. Peut-être mettre de l'autre côté la lame, ce serait peut-être plus simple. Voilà. On vient fermer, nickel. Là, montage de la mousse pour voir. Peut-être pas mis assez. Ouais, nickel. Ouais, plutôt agréable comme sensation la mousse là. Poil de blaireau. Ça c'est frais. Donc je pense que ça c'est peut-être l'huile d'olive qui fait ça.
La petite Chavette, franchement, elle est top. Donc, avec l'écriture Mansfield, voilà, elle est vraiment top. Et ce qui est bien en plus, c'est si jamais on vient à vouloir changer juste le porte-lame, voilà, on a juste la vis à changer, ou même la Chavette, si elle vient se casser, si on veut en mettre une nous-mêmes, voilà, ça se tient avec des vis, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, plutôt un bon match, hein. Bon, j'ai pas beaucoup travaillé la mousse, apparemment, ou j'ai mis trop d'eau. Ouais, sinon, c'est vraiment pas mal. Ça va, elle a vraiment un très bon match, hein, malgré qu'elle soit assez légère. So. Ah, franchement, c'est une très très bonne glisse, franchement. Hop, on se retrouve pour la deuxième passe. Voilà, deuxième passe. Non, franchement, nickel. La glisse, rien à dire. C'est vraiment top. Rien à dire. Ah, franchement, nickel. Donc, je rince tout ça, je prépare pour le rasage au gel, et voilà. Voilà. On va commencer pour faire les contours de la moustache ainsi que au niveau de la mouche. Sur le menton. Peut-être sur les côtés de la barbiche, peut-être, je sais pas encore, on verra bien. Voilà, j'ai retiré la sécurité. Hop, on tourne pour l'ouvrir. Voilà. Bon, après, faut pas hésiter à en mettre aussi, hein. C'est vraiment fait pour protéger.
En bas du jaune. On va déjà faire le contour. Voir ce que ça donne. Bon, après, j'ai déjà vu certaines vidéos avec ce gel-là. Franchement, apparemment, il est top. Donc, ça me fait pas peur. Ouais, nickel. Franchement, ça n'a pas la lame. Ouais, c'est nickel, franchement. C'est comme si on avait une mousse. Franchement, il n'est pas. Il n'y a rien à dire. Voilà. Franchement, je suis vraiment étonné par ce gel. Parce que, par contre, j'en ai un peu beaucoup. Suis vraiment bien étonné parce que c'est vrai que la glisse, elle est là. Donc là, on va essayer de faire la bouche. Le rasoir, franchement, j'adore. C'est bon, il est adopté. Oh. Là. Le gel pour l'instant, pareil. Le savon aussi, nickel. Mais bon, je pense que je préfère quand même le gel. Nickel. Rien à dire. Top. Nickel. Donc voilà, je rince tout ça, on va tout nettoyer, puis voilà. Je vous prends juste après pour la petite conclusion avec cette collaboration. Donc voilà, je viens de tout nettoyer, c'est nickel. Alors j'ai regardé au niveau des endroits s'il y avait quelque chose à rectifier. Franchement, pour l'instant, non. Rasé de très près, franchement, nickel. Un petit point de sang ici, mais là, c'est parce que j'avais un petit bouton, un tic ici aussi. Mais sans plus. Franchement, le savon, il est top. Le seul défaut que je lui trouve, malheureusement, ce serait peut-être au niveau de l'odeur. Donc apparemment, ouais, ce serait une odeur naturelle. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est vrai que je trouve que l'odeur n'est pas prononcée, rien. Elle a une petite odeur qui est plutôt pas désagréable. Mais c'est vrai que peut-être une odeur un peu avec peut-être une huile essentielle, je ne sais pas, peut-être une bêtise du genre à l'orange ou une connerie. Voilà, la lavande, parce qu'ils viennent de Toulon, je crois, au-dessus de Toulon. Je vais avoir le truc là. Je sais que j'ai l'adresse quelque part. Bon, voilà. De Leguevin, donc si j'ai pas de bêtises, ou Leguevin, dans le 31. Donc je crois que c'est voilà, c'est au-dessus de Toulon. Donc peut-être une petite odeur de lavande, ça serait pas mal aussi avec les savons. Donc je sais que Mansvir fait aussi tout ce qui est huile à barbe, baume à barbe. Savon, etc. Ils font aussi les blaireaux, des rasoirs de sûreté. Ils font vraiment pas mal de choses, pas mal de choix. Ils font aussi bon, pas mal de rasoirs en chavette.
Alors, en ce moment, jusqu'à rupture des stocks, si je dis pas de bêtises, il y a moins 50% sur 5 Chavettes sur le site Mansbear. Donc, il y a la jaune Mustang, la rouge Grand Torino, la orange de General Lee, version USA et version française. Donc, voilà, je vous invite à aller voir son site qui sera dans la description. Et voilà, il y aura vraiment pas mal de promotions en ce moment. Ensuite, pour le gel, franchement, top, je le conseille vachement. Surtout pour ceux qui entretiennent leur barbe, qui veulent faire les contours de barbe, c'est vraiment nickel. Franchement, c'est ouais, c'est nickel. La Chavette, franchement, là, elle est vraiment top. Elle a bon maintien, etc. Elle a tout ce qu'il faut. Franchement, nickel. Donc là, je vais nettoyer un petit peu après, puis retirer la lame qu'il y a dedans. Mais sinon, franchement, elle a bien fait le taf. Et je la recommande aussi. Donc je sais qu'ils font aussi des Chavettes en métal, entièrement en métal. Donc il y a probablement qui serait un petit peu mieux pour le match, hein. Mais bon, ouais, je préfère ce design là parce que c'est vraiment un design assez ancien et je préfère. Et pour l'instant, moi ça me convient. Ensuite, voilà, donc je remercie Mansbear. Donc je remercie pour m'avoir envoyé tous ces produits pour pouvoir les tester en vidéo. Franchement, c'est top. Les produits sont vraiment top. J'espère pouvoir continuer avec eux pour cette collaboration. Donc voilà. En tout cas, moi c'est validé à 100%. Ça restera dans mes produits de tous les jours. L'huile, je pense que j'utiliserai assez souvent, surtout pour le niveau de la moustache. Et du coup, voilà, par la suite, je laisserai pousser ma barbe pour pouvoir utiliser ces autres produits. Donc voilà, on va laisser jusqu'ici. Donc au prochain rasage, je ne ferai que les contours. Donc d'ici la semaine prochaine, j'aurai une bonne petite longueur déjà. On fera au niveau du cou pour laisser jusqu'ici et ici. Donc voilà. Et voilà. Pour votre info, je sortirai maintenant une vidéo tous les semaines. Donc, on sortira ça le vendredi vers 18h. Le temps de faire le montage, etc. Ça arrivera vers 18h, ouais, dans ces alentours-là. Ensuite, d'ici à août, normalement, il y aura une petite absence. Donc, on va dire fin août, il y aura sûrement une petite absence de ma part sur la chaîne. Mais je reviendrai par la suite, il n'y a pas de souci, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir dans mon Instagram, j'y serai tous les jours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like, un petit commentaire et à activer la cloche de notification pour rater aucune vidéo. Donc je pense qu'il y aura d'autres vidéos avec Mansbear, franchement c'est nickel. Et je pense que la chevette là, elle va finir dans mes rasoirs préférés, dans mon top 5 des rasoirs. Donc au pire je vous mettrai quelques photos ici de mon top 5 des rasoirs. Quoi dire de plus? Sans ça, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser, je la ferai avec plaisir. Et je lancerai un petit jeu concours donc pour gagner deux bons de réduction de chez Big Moustache. Donc de 15 euros ou de 15%, je crois, c'est un des deux. Donc je regarderai ça, je vous le mettrai ici directement. Et je lancerai ce concours du coup sur Instagram. Donc il y aura un bon à gagner sur Insta et un bon à gagner sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à participer, vous avez tous vos chances. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle a été un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon rasage, je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao!